pourrait tomber tout de suite en mode conférence après un lourd dîner. J'espère que vous appréciez bien la journée jusqu'à présent. Je dois vous avouer, c'est le fun de voir le contenu des présentations, c'est le fun de voir les retours d'expérience, de voir encore l'engouement, de voir autant de personnes dans les salles. C'est vraiment fantastique. Signe que l'agilité clairement se porte bien. Je m'appelle Jean-René Rousseau, coach agile à Pixis Technologies. Aujourd'hui, on va parler de transition agile. Okay? Donc, on va parler de comment on peut démarrer sur des bonnes bases. On va parler de ça dans un contexte où l'agilité est toujours en progression fulgurante. De plus en plus, les types d'organisations qui passent en agilité sont des organisations plus structurées, des organisations plus hiérarchisées, des organisations où le terreau n'est peut-être pas naturellement fertile à l'agilité. Puis c'est un terme qui est dans l'air aujourd'hui. On a eu plein de présentations sur l'agilité gouvernementale, des trucs comme ça. Donc, on va prendre certaines de ces notions-là. On va essayer de se donner un petit plan de match de comment on peut partir sur des bases solides. Okay? Vous allez voir différentes stratégies de mise en œuvre. Vous allez voir aussi certains pièges à éviter. Donc, en espérant que ça va vous empêcher de mettre le pied dans ces 10 pièges. Bon, vu qu'on vient de dîner, absolument le sondage rapide est à main levée, mais j'ai envie de vous demander de vous lever. On vient de dîner, ça va permettre à tout le monde de se... Donc, s'il vous plaît, debout, tout le monde debout. Wow! Hey, dites-moi. Moi. Restez debout ceux qui considèrent qu'ils ont une bonne base en agilité. Oh, quand même! Restez debout ceux qui œuvrent présentement dans un projet agile. Restez debout ceux qui, dans le projet agile dans lequel vous êtes, s'inscrit dans un contexte de transition globale vers l'agilité. All right. Merci. Ça me donne une idée aussi du coût de la salle. Comme je vous dis, je pense que ça nous a permis de gérer la salade de patates. Right? Monsieur Martin l'a mentionné ce matin, l'agilité a eu 10 ans, okay? En février 2001. On voit qu'il y a quand même des pratiques qui remontent depuis un bout de temps. Mais clairement, dans les 2-3 dernières années, on a franchi ce qu'on appelle le gouffre. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, le modèle d'innovation de Moore, qui nous dit que toute innovation, habituellement, au départ, va avoir des visionnaires, des early adopters qu'on appelle, qui vont embrasser ces changements-là. Puis à un moment donné, il y a une fracture, là, mais si on est capable de dépasser ça, si on est capable de continuer la courbe d'adoption, là, on rentre dans la majorité précoce en premier, ensuite la majorité tardive. Donc, on a franchi ce gouffre-là à peu près en 2008. Okay? Ce qui fait que, clairement, présentement, on est dans la majorité précoce. Donc, ceux qui, depuis 2008-2009, se lancent à l'agilité sont des majoritaires précoces. ceux qui ne l'ont pas fait encore, vous êtes des majoritaires tardifs. Okay? Ce qu'on remarque, je l'ai mentionné un peu en introduction, c'est le type d'organisation qu'on va retrouver dans ces différents cadrans-là. Fait que c'est sûr qu'en 2001, le buzz d'agilité a commencé, les premiers qui ont sauté là-dedans, des petites organisations, des organisations où l'innovation, la recherche et le développement, où la culture de changement et de bouger rapidement faisait du sens. Et donc, assez simplement, on pouvait prendre l'agilité, lire une couple de livres, se lancer là-dedans, apprendre en avançant, puis ça se passait plutôt bien. Ce qu'on remarque dans les dernières années, les organisations où c'est peut-être moins fertile de faire de l'agilité, où il faut trouver une façon d'aller capitaliser sur les gains recherchés, tout en essayant de minimiser certains impacts, ou certainement en choisissant ses combats. Fait que c'est un peu dans ce mindset-là qu'on va aborder la présentation, de voir justement qu'est-ce qui pourrait nous aider à savoir quel combat choisir, quel accommodement faire, quel pas faire, pour essayer d'aller maximiser les gains tant attendus de l'agilité. Ce qu'on remarque aussi avec cette courbe d'adoption qui est fulgurante, c'est qu'on voit quand même toutes sortes d'agilité présentement. L'agilité étant ce que c'est, donc une philosophie de travail qui repose sur des coffres à outils plutôt incomplets. Comme si je prends Scrum tout seul, malheureusement, je ne peux pas faire un parcours, une méthodologie complète et livrer des projets de grande envergure. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est sûr que si on n'y pense pas comme il faut, si on ne fait pas les bons choix, on peut se retrouver avec une sorte d'agilité un peu bizarre qui, au final, pourrait plus nous nuire que nous aider. Okay?
Donc ça, c'est, je pense, c'est un constat global dans l'industrie aussi. On parle d'un deuxième gouffre, justement, de dire, ben est-ce que là, on fait juste de l'agilité pour la fun de l'agilité, puis on court comme un peu la ruée vers l'or, là. On espère aller chercher des gains et des bénéfices, puis si les trucs sont pas nécessairement bien attachés, ben on peut sortir de là déçu et écorché. Trois cas possibles, OK, du plan de match que je vais vous présenter. Donc, 1A et 1B. Donc, vous êtes un gestionnaire, vous voulez implanter l'agilité dans votre organisation avec ou sans expérience agile préalable, OK? Donc, il y a des organisations qui vont dire, moi, je ne voudrais pas rentrer l'agilité et dès le départ, j'aimerais ça le faire, faire vraiment une initiative de transition. Il y a d'autres organisations qui ont eu des initiatives ad hoc au fil des dernières années, puis à un moment donné, ils se disent, OK, là, je pense que c'est le temps de faire une transition plus globale, d'inscrire ça dans un programme de transition pour que l'ensemble de mes activités de développement passent en mode agile. L'autre scénario qu'on a, ben on a des chefs de projet qui disent « Ah, il me semble que mon projet, donc, qui est sur le bord de démarrer, il me semble que lui devrait se faire en agile. Okay? » Il me semble que quand je regarde les gains qu'on est capable d'aller chercher avec ça, ben j'aimerais bien que ce projet-là s'exécute en mode agile. C'est bon? Fait que c'est les trois cas de figure qu'on va adresser. Des questions? C'est bon? Alors, plan de match. OK? Étape 1. Prise de conscience. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont formés un peu en gestion de changement? Qu'est-ce qu'on nous dit dans les classes de gestion de changement? Comment on fait pour générer ou créer une traction pour que le changement puisse entrer en vigueur? Sentiment d'urgence, OK? La prise de conscience de savoir qu'est-ce qui ne va pas bien dans l'organisation est vraiment fondamentale. OK? Puis vous allez voir, on va rattacher à ça tout le reste de la présentation. Si on ne sait pas pourquoi on le fait, si on ne sait pas après quel genre de gain on court, si on fait de l'agilité parce qu'il me semble qu'il faudrait en faire, tout le monde en fait, du go, on espère avoir tous les gains que l'agilité nous promet, bien, c'est là qu'on pourrait être déçu si on ne fait pas les bons choix dans notre mise en œuvre par la suite. OK? Donc, de faire un constat clair des problématiques qu'on vit présentement dans notre organisation et de s'assurer que tout le monde comprend bien c'est quoi nos problèmes. Okay? Il y a un danger, un piège à vouloir vendre l'agilité avant de vendre les problèmes qu'on vit dans l'organisation. On a aussi des problèmes de qualité, on a aussi des problèmes de motivation, d'engagement, on a aussi des problèmes de satisfaction de nos clients. C'est quoi le plus gros de ces problèmes-là et comment on pense que l'agilité va nous aider à régler ces problèmes-là? OK? Fait que ces questions-là de nos plus grands problèmes, comment l'agilité peut nous aider, comment on va mesurer les gains. Okay, je ne rentrerai pas dans la mesure. Ma collègue Sylvie, juste après moi, va parler de mesure. Donc, c'est un complément intéressant à la présentation que je fais. Avez-vous le support de la direction? Est-ce que tout le monde comprend la même affaire de c'est quoi faire de l'agilité? Donc, ce diagnostic initial-là est vraiment fondamental. Okay? De monter notre business case, là, notre plan de projet. On peut vraiment le voir comme étant un problème. En ne perdant jamais de vue, ça a été mentionné à quelques reprises ce matin, l'objectif n'est pas d'être agile, right? L'objectif est de s'améliorer. Il y a une raison de faire de l'agile, ça doit être quelque chose que je ne fais pas bien. Si tout ce que je fais présentement se passe bien, ben je te dirais, rentre pas dans ce genre de changement-là, ou le verse pas à ce point-là ton organisation pour pourquoi, enfin, c'est quoi, après quel gain tu cours? Analyse d'impact. Je suis encore dans la gestion de changement. Right? Fait que tout bon gestionnaire de changement, quand il va vous rencontrer, il va vous dire qu'il faut bien conduire une petite analyse d'impact. Okay? Je pense qu'on le sait maintenant, l'impact de l'agilité peut être assez important. Okay? Donc, au-delà de la façon de programmer, au-delà de la mécanique de projet, l'agilité a vraiment ses ramifications un peu partout dans l'organisation. Il va bouleverser un paquet de trucs. Fait que c'est important de faire un tour de ces paquets de trucs-là, de se questionner sur où c'est que ça va faire vraiment mal, où c'est que ça va être plus facile, où c'est que ça va être vraiment difficile, quel nombre qu'on ne pourra vraiment pas adresser en partant. Donc, d'avoir en main cette information-là va nous aider à prendre des décisions plus tard. Okay? Et là, on va pouvoir faire l'association. Ben, si je cours après des gains de satisfaction client, mais que l'impact de changer ma relation avec les lignes d'affaires va être difficile, ben là, j'ai un choix à faire. Et est-ce que si j'enlève la notion d'implication du côté affaires qui est
très forte, j'enlève cette notion-là d'agilité, ben là, mon gain de satisfaction client, peut-être que je viens de le perdre un peu. Okay? Donc, quand on a en main pourquoi on veut faire de l'agilité et qu'on a en main une bonne analyse d'impact, on n'est pas pire outillé pour prendre des décisions par la suite. Okay? Je ne passerai pas tout. Comme je vous dis, ça a été longuement documenté. Le piège là-dedans, c'est vraiment de penser que c'est seulement notre mécanique de projet qui va être affectée. Okay? Puis malheureusement, je pense qu'encore, je me retrouve face à des clients où on a cette discussion-là, où je pense que le client ne réalise pas, pas nécessairement dans quoi il s'en va. Il ne réalise pas l'impact de faire de l'agilité dans son organisation. Donc oui, sur la mécanique de projet. L'impact sur l'ingénierie logicielle, je ne sais pas comment vous avez trouvé le speech de M. Martin ce matin. Moi, personnellement, ex-développeur, ça m'a fait du bien de me rappeler ça. De me rappeler à quel point l'impact sur nos façons de programmer, sur la façon de maîtriser les concepts orientés objets, comment ça peut être majeur en agilité, ou comment une belle programmation bien faite, bien découplée peut nous faire gagner en efficacité et en vitesse. Okay? C'est souvent un aspect qui est négligé, parce que, ben, veut pas, dans les bureaux de gestionnaire, ben, la préoccupation de la programmation est moins là. Okay? Fait que c'est pas le blâme à personne. C'est juste que c'est moins, on va parler plus de préoccupation de rédition de compte, de relations avec la ligne d'affaires, de trucs comme ça. Mais cette idée-là d'avoir, rechercher l'excellence technique est vraiment un impact assez majeur aussi. J'ai mis disposition physique des locaux. Qui dans ceux qui font de l'agilité ont abattu des cubicules? All right. Petit impact, c'est juste pour mentionner à quel point, jusqu'où on va, mettons, dans notre analyse d'impact et à quel point ça peut brasser les choses, OK? Donc, d'amener les équipes soudainement, à plus avoir les gens peuvent avoir des bureaux fixes, à les faire déménager, bien là, j'ai l'impact sur mon processus opérationnel de changer les lignes de téléphone. Okay? Fait que si c'est super difficile dans votre organisation de déménager quelqu'un de place, bien, c'est un impact non négligeable, parce qu'on sait que si je colocalise mon monde, bien, les chances de succès sont bien meilleures. Vous savez, c'est pas les processus qui vont résister, c'est pas les équipes, c'est pas les départements, c'est les individus. Je pense que ça a été mentionné à plusieurs reprises. Sur le rapport de la SIC ce matin, on a parlé beaucoup de l'impact humain. C'est clair qu'il ne faut jamais le négliger. Donc, dans une bonne analyse d'impact d'entrée dans l'agilité, ben, on va vouloir se poser la question de comment les individus vont réagir à ça. Okay? Les gens ont beaucoup de ça. Les gens ont-ils les compétences nécessaires pour passer là? Aussi qui vont être mes poches de résistance principales. Et là, vient tout le reste du coffre à outils de gestion de changement, de plan de communication, de bien vendre le truc. Et là, mon étape 1, si je sais pourquoi je le fais, si je suis capable d'expliquer à tout le monde dans mon organisation c'est quoi le sentiment d'urgence de faire les choses différemment, ben ça devrait nous aider à calmer le jeu et à mitiger un peu l'impact humain. Okay? Je vous dirais que 80% de ma job de coach agile se trouve là-dedans. Okay? Fait qu'au-delà de la mécanique de travail, au-delà des choix de pratique, au-delà de comment on va s'y prendre, l'aspect humain est vraiment important parce que c'est radicalement différent. Okay? Léo le mentionnait bien aussi dans son diagnostic sur l'agilité et le gouvernement. C'est vraiment des principes qui sont radicalement différents de comment on a l'habitude de travailler, et ça depuis plusieurs années. Fait que si moi, en tant qu'être humain, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas « what's in it for me », ça va être difficile. Right? J'ai commencé à agilité programmable. Puis à chaque fois que je parle de résistance à l'individu, je me rappelle ce soir-là, je suis rentré de travailler puis j'ai dit à ma femme, Pixis, c'est terminé. Moi, me faire challenger mon coach par mes collègues, ça se peut pas. Les outils de tests automatisés qui essaient de me passer, non. OK? Fait que j'ai connu la souffrance. Mais j'y ai cru. OK? Je ne rentre pas trop dans le détail de ça non plus. C'est pas l'objectif de la rencontre. Bien savoir son cri là d'opinion. C'est à savoir qui est on board, qui l'est pas. Okay? Qui est sceptique. Qui drive par en avant. Qui tire tout le monde par en arrière. Vraiment d'avoir ça dans son coffre à outils en tant que gestionnaire, chargé de projet. En fait, tout individu qui va l'idée, ce genre de changement-là, c'est des bons outils à avoir dans son coffre à outils. Au-delà des compétences techniques ou des compétences par rapport à la mécanique agile en tant que telle, est-ce qu'on pense que ces gens-là vont être capables d'adopter les bons comportements
Okay? On recherche la transparence, on recherche du travail en équipe, on recherche de la collaboration. Est-ce que ça va être possible dans mon organisation? Est-ce que ça va être possible ou c'est que j'essaye de faire de l'agilité? Il faut avoir ce constat-là avant de partir. All right. Donc, je sais pourquoi je le fais. J'ai une analyse d'impact qui me supporte à peu près les problèmes vont être où. Bien sûr, je m'appuie sur les principes agiles pour ne pas devenir fou avec une analyse d'impact exhaustif. OK? Mais d'avoir un portrait clair, ça risque de faire bien la job. Préparez-vous au démarrage des premiers projets. Là, c'est là que le fun point. OK? Il y a une couple d'options qui se présentent devant nous. Il y a différents patterns d'adoption. On va en voir quelques exemples. Puis il y a tout l'aspect de Scrum, comme je disais tantôt, il en manque des bouts. Fait, comment que je goal l'architecture, comment je goal la documentation, comment je goal ma stratégie d'essai, comment je goal mes rôles et responsabilités, comment que je goal les activités qui devraient se paralyser dans mes cycles de réalisation. Fait, comment que je m'arrange avec tout ça? Ben, c'est de ça un peu qu'on va discuter dans les prochaines slides. C'est un tour de poker? Soyez pas gênés. Hein? L'approche all-in, OK? Parce que là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pas de « on essaie d'en faire un petit peu peut-être dans ce petit projet-là ». Le sentiment d'urgence est fort. Les raisons de changer sont importantes. Peu, on y va maintenant. OK? Je pense que la SIC, on peut considérer que c'est un all-in, right? Donc, le sentiment d'urgence était fort. Okay. Les raisons, les gains qu'on voulait chercher de ça, on voulait les maximiser, donc on voulait vraiment y aller. On voulait vraiment y aller all-in. L'avantage que ça a, c'est que ça envoie un message clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté. En tout cas, on faisait de l'agile. Tandis que, on va le voir un peu tantôt, quand on y va par petits pas, ben des fois, il y en a les sceptiques vont attendre que la vague passe et vont espérer que ça va se calmer. Donc, en mode all-in, envoie un message clair. C'est sûr que ça peut maximiser les gains potentiels parce que là, tout le monde y va ensemble. Et on évite des fois les problèmes qu'on voit souvent d'organisation à deux vitesses. C'est-à-dire que faire un projet agile, quand le reste de l'organisation est traditionnel, c'est pas facile. OK? Désavantage? Ben, c'est risqué, clairement. Donc, je peux pas me casser la gueule nécessairement avec les premiers projets. Il faut que ça aille vite. Plus coûteux aussi. Donc là, la montée en compétences, il faut aller chercher du staff qualifié. Il faut que ça se passe vite. Puis c'est probablement ce qui risque de bousculer le plus l'organisation. Okay? Donc on n'aura pas le temps d'adoucir nécessairement les impacts. Il faudra y aller à fond. Je peux vous avouer que ce n'est pas un pattern qu'on voit nécessairement très souvent. Okay? La plupart des gens vont y aller avec l'autre approche. L'approche à petit pas. OK? Où est-ce qu'on va essayer de minimiser les impacts tout en essayant d'aller chercher des gains intéressants. Et là, l'équilibre, ben, ça va être vraiment encore, c'est quoi les gains après lesquels je cours? Donc, laquelle dans mes impacts que j'ai pas le choix, que c'est un combat que je dois choisir, il faut foncer par là, parce que c'est ce gain-là que j'ai besoin. Donc, c'est encore là, si j'ai pas ces premières étapes-là de prise de conscience et d'analyse d'impact, ben, ça va être difficile de faire les bons choix. Donc, quand la résistance semble grande, je pense que quand la culture organisationnelle n'est pas nécessairement propice à l'agilité, il n'y a pas un grand sentiment d'urgence. C'est une bonne approche à prendre. Avantage, ben, on limite l'impact sur l'organisation. Donc, on est capable habituellement d'isoler un premier morceau agile et de construire là-dessus. Habituellement, quand on choisit bien notre projet pilote, quand on choisit bien les ressources affectées à ces projets-là, on devrait être capable d'avoir des succès et de construire sur ces succès-là. Mais comme force de changement, ben pour les sceptiques, il n'y aura rien de mieux que des projets qui marchent dans ce mode-là. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour ça que ça en fait aussi un pattern intéressant, de se dire, ben, si je suis capable de démontrer rapidement des gains avec des premières initiatives, ben, je vais être capable d'aller chercher de l'attraction là-dessus, d'en faire un peu plus, de me congressifier. J'apprends aussi beaucoup de ces premiers projets-là. Et je chemine comme ça vers la chute. Des avantages de ça, c'est que c'est long. Okay. C'est vraiment, ça peut être long, mais ça peut durer. J'ai quelques clients qui roulent des initiatives agiles depuis plusieurs années, sans qu'on sente qu'il y ait une véritable force de transition globale.
Mais encore là, dépendamment des gains après quel cours, pour moi, c'est suffisant pour le moment, pour leurs besoins. Mais à la langue, on sent que ça peut s'essouffler. Okay? On ne sent pas nécessairement toujours le support organisationnel dans ce temps-là. Donc, les initiatives sont plus isolées. Il n'y a pas de cohésion entre ces initiatives-là. On n'apprend pas nécessairement beaucoup de ce que nos collègues ont fait dans une autre équipe. Donc, c'est à faire attention, à petits pas, de s'assurer qu'on a quand même une force mobilisatrice de l'ensemble des initiatives agiles qui sont mises là-bas. C'est sûr que les gains pourraient être moins significatifs aussi. Okay? Donc, la promesse de l'agilité, des fois, est quand même assez exceptionnelle. Vous voyez que, quand je vous disais, quand on parle de ruer vers l'art, on parle d'un gain de productivité, de solutions moins coûteuses, d'usagers satisfaits, de l'employé motivé, puis on en beurre large, right? Mais c'est sûr que si on y va par petits pas, qu'on fait des trucs, qu'on fait certains compromis dans l'agilité, ben les gains, au final, ne seront peut-être pas aussi spectaculaires. Mais pour être suffisant, dépendamment, fait quoi que je trouve. Okay? Combien d'organisations ont le goût aujourd'hui de se transformer complètement versus faire une évolution contrôlée qui fait du sens? On est arrivé à avoir des logiciels qui roulent leur, 2700 tests automatiques. Oncle Bob nous a montré ce matin et qu'on peut déployer en un clic. Ouais. La route peut être longue. Puis en fait, c'est peut-être même pas quelque chose qu'on veut atteindre. Okay? Alors là, après quoi que je cours? C'est quoi les gains que je recherche? Donc, si je choisis par petits pas, il va falloir que je trouve les premiers projets qui vont faire office de petits pas. Qu'est-ce qu'on recherche dans un bon projet pilote? Visibilité. Bonne équipe. Faites attention de ne pas se taper trop de champions. Vous pourriez se faire reprocher que bon, c'est vrai, c'est une équipe de champions. Durée quand même. Durée intéressante. Important, pas critique. Risque limité. Risque contrôlable, mettons. Typique de la compagnie. Pas un projet réaliste, mettons, ouais. Ouais. Non, absolument. Qui représente habituellement, c'est sur quel genre de projet qu'on va faire dans l'organisation. Oui. Oui, ça a été mentionné, la visibilité. Oui, absolument. Vous voulez qu'il y ait une bonne visibilité sur ce projet-là, vous voulez avoir le support que vous avez besoin aussi pour le faire. Non, c'est sûr qu'il y a une certaine criticité, qu'il y ait une bonne visibilité, ça va nous aider. Je dirais que c'est une bilan qui apporte des points à améliorer assez rapidement. Bien, c'est sûr qu'en étant en mode agile, des bilans vont en avoir. Ça, je dirais, indépendamment du projet, les bilans vont en avoir, il va y avoir des rétrospectives à chaque fin d'itération. Un bilan global, et oui, on pourra canaliser là-dessus. En fait, c'est le but de ces premiers projets pilotes-là, c'est justement de soulever le plus de poussière possible, d'aller confirmer certains éléments qu'on a mentionnés à l'analyse d'impact, okay? D'aller en découvrir des nouveaux qu'on n'avait pas vus, aller peut-être spotter des zones qui finalement elles font peut-être aussi mal qu'on l'avait prévu. Okay? Est-ce qu'elles connaissent MyCom? Donc, MyCom, c'est son graphique de qualité de bon pilote que je reprends là. Pour qu'il m'appelle, me dire que je l'ai volé. La taille est importante aussi, okay? On ne se cachera pas. Un projet multi-équipe, ben, c'est plus tough qu'un projet juste une équipe. Okay? Un projet qui a plein d'interconnexions avec des systèmes externes, ben, c'est plus difficile qu'un projet où j'ai un système à développer avec peu ou pas d'interconnexions sur d'autres systèmes. Donc, on ne veut pas nécessairement de quoi de trop gros. Bien sûr, on ne veut pas de quoi de trop petit. Une équipe de 1, ça ne démontre pas grand gain de l'agilité. Ça devrait bien se passer si cette personne-là est bonne. La durée, ça a été mentionné. Quand c'est trop court, il faut comprendre que l'agilité, by design, c'est un mécanisme d'amélioration continue. C'est une façon qu'on apprend en avançant. Fait que c'est sûr qu'un projet de 2 sprints, on a de la misère à avoir pris notre envol. Et là, si on passe à un long projet, ben, ça peut être long avant qu'on ferme le cycle et qu'on ait vraiment des gains du cycle complet de notre développement logiciel. Donc, je dirais quelque part autour de 6 mois, ça me semble une durée fort raisonnable là, pour un projet de pilote. On a parlé de l'importance. Moi, personnellement, on avait eu, avec M. Lalamé d'ailleurs, on avait eu un très beau succès d'un projet pilote en mode agile dans une organisation.
Combien de bugs avec? Pas beaucoup, hein? Ce que Bob disait ce matin, la liste de bugs qui pourraient rentrer dans notre... Non, c'était vraiment très bien passé. La seule faiblesse de ce projet pilote-là, c'est que c'était pas un projet important. Puis, à chaque fois qu'on essayait de faire du push là-dessus pour vendre l'agilité un peu plus dans l'organisation, ben, on faisait juste dire que c'était normal que ça avait bien été. Parce que c'était un petit projet pas important, avec une équipe de champions, puis etc. OK? À quelque part, il y a peut-être pas tard. OK? On n'avait pas poussé la machine au maximum, ça c'est clair. Il y a des affaires comme des éléments qu'on n'avait pas sentis. Par exemple, on ne travaillait pas avec les composants communs. On se souvient. Avec ça, oh, ça nous a aidé. Il y avait moins de poules qui gravitaient autour de notre équipe. Engagement client. OK? C'est sûr que il y a comme, je dirais, 50% des gains qu'on recherche en agilité qui viennent du fait que soudainement, on a le goût de faire un partenariat avec les gens d'affaires. OK? Puis, pour rebondir encore sur ce que vous avez présenté ce matin, s'il y a quelque chose qui semble avoir bien fonctionné à CIC, c'est bien ce volet-là de dire le client, vous avez le projet en main, on a besoin de vous autres, go, 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 faut que vous soyez là. Puis ça, bien, c'est pas toujours facile. OK? C'est pas toujours évident d'aller chercher ce moment-là, d'aller chercher cet engagement-là de la part du client. Il arriverait quoi si je roulais un projet comme ça? Non, mais je pourrais l'avoir de la façon traditionnelle. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher le niveau de partenariat. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que j'ai encore une relation contractuelle avec ma ligne d'affaires, peut-être une porte qui est plus fixe. Peux-tu même imaginer un contrat forfait? Ça implique la visibilité durant le processus pour le client. C'est sûr que tout ce qui est gain de « je livre la solution que j'ai besoin davantage que la solution que j'ai imaginée initialement », je n'ai pas ce gain-là. OK? Ça doit demander une documentation parce que ça, je dirais que dans l'ensemble des projets agiles, ça en aurait, on risque d'avoir besoin de documentation. Je vais me permettre ça. Ça risque d'avoir besoin un peu plus de conception en amont aussi. Right? Parce que si j'étais à portée fixe, d'un coup, j'ai pas le client avec moi on board après. Donc, il faudra que j'étire ma phase d'architecture initiale peut-être un peu plus qu'on a dit ça. Mais il y aura-t-il quand même des gains à faire? Moi, je vous avoue que je suis sceptique de cette approche-là. Okay? Donc, quand j'ai commencé chez un client qui me dit « Jean-René, toi, on fait ça. Des projets parce qu'on n'a pas de PO. » Je fais « Ouais, pas mal. On va avoir de la misère. » Puis, quand on m'a expliqué que c'était une façon de faire un petit pas, une façon d'habituer les ressources en TI, au moins à penser en mécanique itérative, à travailler ensemble, à se colocaliser, à abattre les cubicules, à tester à mesure qu'on avance, Colin, il y avait effectivement certains gains. Bien intéressant. Assez pour que je garde ça, je pense, dans ma poche en arrière comme étant un pattern qui peut être intéressant. Si jamais les gains que je recherche sont surtout de l'engagement, de la motivation, de la cohésion d'équipe, OK? Si mes soucis de livrer la bonne solution, c'est pas nécessaire. Non, on est quand même bon là-dessus. Absolument, quand on scope un projet, nos scopes sont assez stables. On n'a pas nécessairement ce problème-là d'arriver avec un 45% des fonctionnalités du logiciel qui ne sont pas utilisées. Je dis, ah, OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voyons encore que la décision de ça va venir de je cours après quelqu'un. Pourquoi je fais de l'agile? Right? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Fait qu'au final, un bon projet, puis là, quelque part dans ce zone-là, pas trop petit, pas trop gros, à peu près 6 mois. Assez important. Puis bien sûr, si on veut avoir, si on veut aller tester, si on veut valider comment ça pourrait se passer avec les gens d'affaires, ben, ça donnerait un truc où ce qu'on a un bon engagement. L'approche petit pas, qui, comme je vous disais, qui est probablement celle qui ferait le plus de sens dans les grandes organisations d'être adoptée, souvent est confondue avec l'approche ce projet-là. Où là, on ne s'inscrit pas vraiment dans un programme de transition. Il y a un chef de projet qui appelle. Jean-René, on va faire de l'agile. Lundi matin, c'est Sprint Zero. Oh. Puis, je dois vous avouer, étant un enthousiaste positif, souvent je fais comme « Yes! » Je raccroche puis j'y vais. Mais c'est pas évident. Okay? Ceci étant dit,
maintenant je suis un peu plus sage, je vais dire, donne-moi quelques semaines pour faire au moins un état des lieux, OK? Donc, de courir après pourquoi on pense que ce projet-là a besoin d'agilité, aussi qu'on pense qu'il va avoir des impacts majeurs. Donc, on fait comme accélérer un peu les phases 1 et 2 qu'on a, mais j'en ai besoin pareil. Right? Pour des fois, en arrivant à la conclusion, encore dernièrement, j'ai de mes collègues de Montréal qui disent, écoute, on est arrivé à la conclusion que l'agilité leur ferait plus de tort que de mal, que de bien. Et le client dit, ah, je vous entends ce que vous me dites, les gars, mais on va faire d'agile ce projet-là. OK. Juste ce qu'il le faut. OK? Fait que souvent, c'est le sentiment d'urgence qui est fort vis-à-vis ce projet-là, et c'est là que ça peut devenir dangereux. Parce que c'est là qu'on se dit, OK, je regarde ce projet-là, là, wow, ce scope-là, dans ce budget-là, dans ces dates-là, impossible. Impossible, on va le faire en agile. Et là, 6-7 mois après, les problèmes volent de partout, le monde sont fâchés, sont déçus, ça avance pas comme prévu. Ouais, mais comment ça que l'agile va pas être? OK? Elle peut partir un peu trop. J'ai moi-même, je vous dis, tombé dans ce piège-là de vouloir partir un peu trop vite. Okay? Et comme je vous dis, plus votre organisation est grosse, plus votre organisation est complexe, plus les impacts de l'agilité peuvent être majeurs, plus c'est important d'y penser un minimum. C'est pas noir ou blanc, hein? C'est pas oui, je suis capable de partir en sprint zéro ou ah non, faut que je fasse un 3 mois d'analyse d'impact et tout. Là. C'est comme une gradation qui va vraiment dépendre dans quel contexte d'organisation vous êtes. L'avantage, en fait, avantage ou condition de succès, c'est ce projet-là, et souvent, ça risque d'être un projet qui a forte importance, forte visibilité. Fait qu'on peut arriver à quand même mettre un genre de parapluie autour de l'équipe agile. Donc, de créer ce microcosmos-là, de dire, OK, les autres sont en agile, là, dérangez-les pas, on les a staffés comme on voulait, on a demandé, le niveau de priorité de toutes les demandes qu'ils vont faire, il est élevé, tous les gestionnaires sont au courant, et quand le téléphone sonne pour ce projet-là, il faut répondre. OK? Donc, il y a moyen de créer l'environnement pour que ça marche bien. Mais ce n'est pas nécessairement un vrai reflet de à quoi pourrait ressembler un projet de tous les jours dans l'organisation. Okay. Fait que des avantages, comme je vous disais, on pourrait arriver dans des situations que le projet, si on l'avait regardé comme il faut, ben, il n'y avait peut-être pas les conditions gagnantes pour réussir en mode agile. Right? Aussi, un projet qui est super rush, ben, est-ce que je vais vraiment me permettre une baisse de productivité? Je n'ai pas vu bien, je vous avoue, des projets pilotes où on se donnait le droit de baisser en productivité, d'avoir une drop de productivité par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que ça vous fait du sens? T'es sûr qu'il va y avoir une baisse de productivité. Les gens, il faut qu'ils réapprennent à travailler sur plusieurs aspects. Il faut qu'ils maîtrisent des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. En plus, ça donne de même, ça doit être la réalité de la TI. 3 projets sur 4, on a un nouveau stack technologique dans les mains à maîtriser. Fait qu'en plus d'avoir à maîtriser de l'agilité, on a à maîtriser un nouveau stack technologique. Ce qui fait que, quand on choisit ce projet-là parce que c'est rush, ben, c'est à faire attention. OK? Faut vraiment être certain que c'est bien ça. Regarde ça, on pourrait être pas prête aussi. OK? C'est-à-dire que là, oui, on a accroché ça avec un directeur rapidement. On va le faire en agile, mon projet, ça va bien aller. OK, vas-y, go. Mais là, on n'a pas. Pas tout le monde comprend la même affaire, clairement. OK. Je me suis questionné un peu sur l'approche. J'en ai choisi une. Soit que j'y vais pleine vapeur, soit que je vais petit pas, soit que j'y vais quand même ce projet-là. OK. L'autre question qu'on va avoir à se poser en démarrage, mais à quoi il va ressembler un parcours agile? Right? Quel genre de méthodologie que j'ai en place présentement et aussi que ça va changer là-dedans. Grossièrement, je pense qu'on retrouve toujours ces 3 étapes-là, right? Architecture, réalisation, acceptance. Réalisation, là, j'englobe conception plus détaillée, analyse, c'est fonctionnel, tout ça. OK? Où c'est qu'on fait de l'agile là-dedans? On entend partout? T'as pas un. Quelqu'un qui essaierait quelque chose de différent de partout? Qu'est-ce qui va nous aider à décider si on en fait? Qu'est-ce qui va nous aider à décider si on en fait partout? Pardon? C'est quoi le gain qu'on cherche? C'est quoi le gain qu'on cherche? Merci, j'étais inquiet là. C'est quoi le gain qu'on cherche? C'est quoi les impacts? Right? Et tantôt, quand j'ai mentionné, mettons, j'enlève l'engagement client.
j'enlève cette notion-là de « où je vois bien que l'impact, faire une relation de partenariat avec la ligne d'affaires, ça ne marchera pas. Ça reste que c'est un lien contractuel qu'on a, puis il va falloir se commettre sur un budget et une portée fixe. Ben, on va être obligé de faire plus d'architecture pour être capable de valider ce projet-là. Valider notre budget, on n'aura pas le choix. OK? Je veux dire qu'au minimum, probablement le plus petit pas qu'on peut faire dans l'agilité, c'est au moins de se garder les étapes de la phase de réalisation en itération. Right? Fait que ça se voit, OK, de partir en agile après une architecture ou une conception traditionnelle. Pourquoi pas? Ça limite les impacts. Bien sûr, ça limite certains gains. Mais c'est fort intéressant. Ça permet aux équipes de s'habituer à travailler comme ça. Il y a beaucoup de gains, comme je disais tantôt, hein, au moins travailler ensemble, tester au fur et à mesure. Et hop, tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Bien, on fait des démos, la ligne d'affaires s'intéresse à ça, et quand on vient de semer le bug. OK? Même chose, allez-vous avoir des gens qui font des tests d'acceptance à mesure qu'on avance? Ça va être difficile, Jean-René, nos cédules, les projets traditionnels, pas sûr qu'on va avoir le temps. OK. Fair enough. Fait qu'on n'aura pas le gain d'éviter peut-être plusieurs demandes de changement en fin de projet. Mais on n'aurait pas eu ce gain-là. René Moy l'a fait traditionnel, right? On reste comme ça. Hey, qu'est-ce qui se passe, là? Une journée ou deux, on sera peut-être dispo deux jours pour le tester. Good? OK? C'est pas. Et bien sûr, au fil du temps, on va chercher à repousser ça. OK? Et là, essayer d'atteindre la réponse de partout. On aura toujours besoin de penser un minimum en amont. Right? À moins encore là, puis une équipe de 3-4, bien isolée, un nouveau produit à développer, pas d'interaction système, je serais capable de rouler un sprint zéro classique, de dire on s'assied une salle, puis on le pense ensemble, puis feu, on part. OK? Mais aussitôt qu'il y a de l'impact sur des systèmes de mission, des trucs comme ça, c'est risqué. Ben. OK? Fait que mon minimum, c'est d'utiliser Scrum dans mes phases de réalisation. Et tranquillement, pas vite, on étend ça. Donc, on rentre plus d'acceptance dans mes cycles de réalisation et on essaye de garder l'architecture le plus léger qu'on peut, le just good enough, qu'on recherche tant en agilité. Donc, on parle de cette valeur-là de la simplicité, on l'applique à notre phase d'architecture. Mais des fois, juste assez, bien, ça peut être plus détaillé que ce qu'on voudrait peut-être dans les livres. La question à se demander ici, hein, à quel point qu'on va limiter l'architecture en amont, c'est est-ce que l'organisation est prête pour l'émergence? Est-ce qu'on est prêt à découvrir en avançant que les choses ne sont pas tout à fait de même, puis que, oh non, la solution, on va la penser comme ça. On est-tu prêt à découvrir notre architecture à mesure qu'on avance? Et ça, c'est assez radicalement différent. Right? Fait que si dans mon analyse impact, ça dit, non, on n'est pas prêt à ça, bien, on va tirer sur... Essayez de garder un minimum d'architecture. Ça vous fait du sens? Eric, ça fait du sens? C'est pas mal, oui. Bon, là, c'est le mot, c'est le. C'est pendant tout le temps, ça fait mal. Tout le monde, c'est juste la présentation de Léo tantôt. Ça va pire. Et bien sûr, on ajuste tout ça en fonction des gains cherchés, des impacts envisagés. Right? OK. J'ai réglé le cas, mettons, de. L'architecture en amont et à quel point que je garde une phase d'essai longue à la fin où je suis capable de la rentrer dans mes slides. Si je zoome sur une itération, c'est quoi l'ensemble des activités que je suis capable de faire à l'intérieur même de mon itération? Parce que je suis en agile, right? Fait que j'ai une équipe multidisciplinaire, des DBA, des analystes, des programmeurs, des testeurs, puis on livre un morceau de logiciel fonctionnel, right? Sauf que, il arrive quelque chose dans les organisations de plus grande taille, qui est la spécialisation des corps de métier. N'est-ce pas? Et moi, j'apprends une nouvelle sorte d'architecte à chaque jour que je rentre au bureau. Il y a toujours un nouveau qui fait comme « Ah, shit, je m'excuse, on va penser à toi. » Lui, il est fâché parce qu'on ne l'a pas impliqué dans le projet. OK? Donc, on parle beaucoup de la notion de terminé, right? On cherche la qualité de production. Mais là encore, est-ce que l'ensemble des activités qui me permettraient de terminer, je suis capable de les faire dans mon itération. Peut-être que non.
Peut-être que, justement, une contrainte qu'on voit beaucoup dans les grandes organisations, c'est les environnements qui ne supportent pas bien. Fait que de monter en acceptance à chaque sprint, c'est tough. OK? Fait qu'on dit, OK, alors, c'est quoi les liens que je recherche? C'est quoi le risque d'attendre plus tard de monter en acceptance? Ben, peut-être que de déployer en fond, c'est notre définition terminée à nous qui fait du sens. On est prêt à vivre, on a fait un accommodement, on sait qu'on a certains risques qu'on peut être en avant comme d'habitude, mais bon, on est prêt à vivre avec ça. Right? L'autre truc qu'on parle moins, c'est la définition de prêt. OK? C'est quoi mes conditions pour rentrer dans un sprint? Fait qu'encore là, théorie, on s'assied dans une salle en sprint planning, puis on fait notre conception détaillée on the spot. Right? Qui est fantastique. Hein? On va chercher la collaboration face à face, c'est de la modélisation agile, on sketch le tableau, on prend une picture, puis c'est, ça devient sur mon 490, là, c'est la photo sur le mur, puis tout est sous contrôle. Ça nous prend des gens multidisciplinaires, des gens qui ont une bonne expertise technique, qui comprennent bien ce qui se passe. Fait qu'encore là, quand je regarde mon organisation, je me dis, ouais, comment je vais pas faire de l'agilité chez nous? Ben, peut-être que j'ai besoin d'une définition de prêt qui dit, ben, par exemple, est-ce que je pourrais pas avoir au moins commencé mon analyse fonctionnelle avant de rentrer dans le sprint? Je peux-tu faire ça? Quand je ne serai pas agile, c'est pas ça l'objectif, right? Fait que le gain que je cours, c'est quoi que j'essaie d'accomplir en pigeant dans le coffre à outils d'agilité? Okay? Fait que c'est sûr qu'encore là, à terme, je vais essayer d'inclure le maximum d'activités dans mon sprint. C'est ça notre vision, c'est ça qu'on cherche. Est-ce que le jour 1, je suis capable de le faire? Probablement pas. Et peut-être qu'à quelque part, on va trouver une zone de confort dans le milieu là où notre productivité, on va être bien. Ça va faire du sens à tout le monde. OK? Et de la même façon qu'on se posait la question tantôt si on était prêt pour l'émergence, on est-tu prêt pour des généralistes spécialistes? C'est un gros mythe à déboulonner, c'est aussi cette affaire-là d'être des généralistes spécialistes. Right? C'est moins de corps de métier. C'est moins cette notion-là aussi que plus que je prends de l'expérience dans l'organisation, moins que je programme. Okay? Ça aussi, je trouvais un matin quand j'ai vu Uncle Bob nous parler de la programmation, je me disais, Caroline, des gars de l'expertise d'Uncle Bob qui programment encore, qui sont gars ben, passionnés de ça, ben, on n'en trouve pas tant que ça dans nos organisations, right? Parce que ces gens-là, ben, ils ont beaucoup de leadership, ils ont monté, puis ils sont plus programmeurs. Fait qu'on les retrouve plus dans les équipes souvent. C'est sûr que pour que ça marche bien, cette notion-là de conception émergente, puis de dynamisme, puis de sketch, ben, ça me prend une bonne expertise dans l'équipe, c'est sûr. Puis si on n'est pas prêt pour des généralistes spécialistes, ben, un accommodement qui peut être assez raisonnable. Ce serait de faire des activités d'analyse avant ce sprint. Bien sûr, ça peut vouloir dire que ça me prend 3 sprints livrés. Je fais un peu d'analyse, je fais ma réalisation, et j'ai probablement des tests d'acceptation après. Okay. Et tout ça s'agisse en fonction de quoi? Des gains recherchés et notre analyse d'impact. Right? Fait que vous voyez, quand on part, on n'a pas ça en main, les gains recherchés et notre analyse d'impact. Il nous manque comme un peu d'informations. On revenait dans un mode un peu plus agile. OK? Pour se dire que. Là, j'étais dans l'accommodement, pas pire. Hein? C'est sûr que, tôt ou tard, la meilleure façon d'apprendre à faire de l'agile, ben, c'est de faire de l'agile. OK? Et c'est sûr que, si on est capable de spotter des zones que ça fait mal, de se dire, on sait que ça va faire mal, mais Caroline, il faut bien voir ce que ça va dans le ventre, cette bebelle-là. Feu, on se lance. Ça restera toujours la meilleure façon de rendre visible. Les véritables problèmes qui peuvent être causés par le jeu. OK? Tantôt, je vous parlais de cohésion entre les différentes initiatives agiles. OK? Je parlais de comment on est capable de canaliser toutes les énergies, les innovations, les bonnes pratiques qui émergent des équipes. Comment on est capable de les faire descendre sur le plancher. Comment on est capable de garder cette roue-là qui tourne constamment. Bonne nouvelle avec un processus comme Scrum, c'est un processus d'amélioration continue. Donc, point de vue organisationnel, ce que je cherche, ben, c'est de l'amélioration continue. Cool. À terme, j'ai un projet, 2 projets, 3 projets, j'ai plein d'équipes qui font des rétrospectives. Il y a plein de bonnes pratiques qui émergent de ça. Mais si je suis capable d'avoir un groupe
qui est capable de canaliser toutes ces bonnes pratiques-là, qui est capable de les redescendre et qui continue de faire tourner la roue. Donc, on n'essaie pas d'imposer une façon de faire de l'agilité. On descend des bonnes pratiques. On reste ouvert à qu'il y a des trucs qui innovent des équipes. Et tout ça tourne comme ça. Là, on est pas mal outillés pour avoir en place un bureau d'amélioration continue. Right? Donc, les organisations ont des bureaux de projet. Maintenant, ce qu'on essaie de créer, c'est des bureaux d'amélioration continue. Et pour gérer toute cette complexité-là d'implantation d'agilité dans l'organisation, ben quoi de mieux que Scrum lui-même? OK? Donc, ce qui est bien intéressant maintenant, les organisations, on va créer des groupes de travail, des équipes de support à l'initiative agile. Ils vont lister l'ensemble des problématiques qui freinent notre agilité, en fait, qui nous empêchent d'atteindre les gains qu'on recherche. On va les prioriser. Puis, on va attaquer ces priorités-là par tranche de temps. Donc, on va dire, dans le prochain mois, ben, il faudrait qu'on ait créé un cercle de coach de Scrum Master. Il faudrait qu'on ait donné de la formation en Agile Modeling à l'ensemble des architectes. Puis, il faudrait, je ne sais pas, avoir ajusté le wiki sur les bonnes pratiques XY. Parce que c'est les trois priorités dans notre backlog organisationnel. Mécanique super simple. Ça marche assez bien. Il faut faire attention, c'est essayer que ce groupe de travail-là soit le plus. Soit pas nécessairement isolé TI, par exemple. Okay? Donc, ça, des fois, c'est un peu plus difficile. Donc, on retrouve dans les organisations souvent des supports au développement et souvent des bureaux de projet. Donc, essayer d'avoir. J'ai quelqu'un de la métaux, quelqu'un du bureau de projet, quelqu'un du support au développement, quelqu'un de l'architecture. Donc, essayer d'avoir des groupes de support à l'agilité qui sont multidisciplinaires, qui permettent de couvrir tous les aspects de l'agilité. Question? De toute façon, vous avez commencé à te gérer, là. Fait qu'un petit plan pas trop compliqué, OK? Encore des étapes qui peuvent être plus longues que moins, dépendamment du contexte. On peut traverser assez rapidement, mais s'il vous plaît, ne pas ignorer aucune de ces étapes-là. OK? Prenez conscience de vos problèmes. Assurez-vous que vous savez pourquoi vous voulez faire de l'agilité. Qu'est-ce qui marche donc bien, pas bien dans vos organisations aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous fait croire que l'agilité peut vous aider? Comprenez bien l'impact. Okay? Je sais que l'agilité a 10 ans, je sais que c'est écrit partout, mais pour XY raison, ou des fois on le sait, mais on ne le croit pas tant que ça. Okay? L'impact il est vraiment important. Dépendamment à quel point on pèse sur le gaz de l'agilité, ça peut changer les choses pas mal. Choisissez la façon que vous voulez l'implanter. Y aller all-in, y aller petit pas, choisir ce projet-là, pas nécessairement dans le contexte d'une transition. Ajustez votre cadre méthode, essayez de voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas dans mon cadre méthodologique. Faites des projets agiles. Nourrissez-vous de ces projets-là pour enclencher votre mécanique d'amélioration continue au niveau de l'organisation. 5 étapes faciles. Je suis pas loin de ton Scrum install. OK? Fait que pourquoi ça va être difficile? Ben, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Les impacts sont nombreux et diversifiés. C'est radicalement différent. On la cherche, ça s'en vient. Peut-être qu'il y a une année, on va se présenter à l'Agile Tour, puis il y a des étapes et des chiffres. Là. Tranquillement, on a des patterns. Fait que peut-être qu'un jour, on sera capable de vous dire, ah, là, la façon de faire de l'agile. Mais je serai plus agile. C'est ça qui est fucké là-dedans. C'est que la journée que tu imposes une façon de faire à des équipes, tu viens de les brimer de cette capacité-là de façonner leur travail et de se souder en équipe et de trouver eux-mêmes la façon d'être le plus efficace. Mais, on voit il y a des patterns. Il y a des patterns, on va l'avoir. Ça aussi, c'est important. Absolument, quand on fait, je ne sais pas, mettons qu'on engagerait un gestionnaire de changement pour un changement XY, là. Mais souvent, il y a une cible. Je sais qu'à terme, le changement, ça va être justement, je sais pas moi, on est passé à Windows 2000, whatever. Okay? Le changement est fait, la cible est claire, c'est que tout le monde utilise ça. Je
suis capable de faire le roadmap et me rendre là. Processus d'amélioration continue. À terme, je vais être plus efficace. Exactement quelle forme l'organisation va prendre pour me permettre d'atteindre cette efficacité-là? On ne sait pas. Okay? C'est difficile de le prévoir. En fait, c'est by design. On essaie de ne pas trop le prévoir. Je sais juste que je cours après un 10% d'amélioration d'efficacité. Puis je laisse l'agilité faire son œuvre pour voir où c'est que je vais trouver 10% de gain. Okay, bien sûr, le jeu à vos chandelles, même si c'est difficile, on les connaît, l'ensemble des bénéfices espérés. Encore, comme je vous dis, plus que vous faites des accommodements sur l'agilité de base, moins que on va gagner là-dedans. Okay? Fait que genre, livraison plus fréquente et plus rapide, ben c'est sûr que si je garde l'acceptation pour la fin, c'est sûr que si mes environnements ne me supportent pas bien, je n'aurai pas ce gain-là. Si quelqu'un me dit, Jean-René, moi, ce que je cherche, c'est capable de livrer rapidement, ben, je dis, OK, on va adresser quand même les environnements. Plus en plus de métriques qui sortent aussi. State of the Agile Survey 2011. C'est intéressant de voir l'ensemble des équipes agiles qui ont répondu à ce sondage-là. Où est-ce que se situe leur plus grand gain? J'en ai entouré deux. Parce que improve team morale, écoutez, c'est systématique. Okay? Et indépendamment des compromis qu'on a faits, indépendamment dans quelle boîte qu'on est, à quel point c'est difficile le projet, je lis des fois des comptes rendus, c'est toujours surprenant. Là, ça a mal été de tout ça, on était dans le jus, puis là, tu lis ça, tu dis waouh. Puis ça finit en disant, je veux pas retourner en arrière. Okay? J'ai eu du fun avec mes chums, pourtant en équipe, puis belle synergie, belle dynamique, puis je veux toujours travailler de même, malgré l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Celle-là, c'est vraiment un quick win, absolument, qu'on est capable de rapidement aller faire. Et là, tout d'un coup, cet accommodement-là, que je vous dis peut-être d'en faire juste en réalisation, absolument, on va être capable d'aller chercher ce gain-là. L'autre truc que je voulais attirer, votre attention, réduire des coûts, OK? C'est dangereux de courir après des réductions. OK? C'est pas nécessairement ça mon gros gain. Fait que si pour le même coût, j'ai un meilleur logiciel qui répond mieux aux besoins et qui est de plus grande qualité, j'ai gagné pas mal. OK? Rapidement, on fait le tour des pièges qu'on a mentionnés dans la présentation. Donc, vendre l'agile plutôt que de faire réaliser qu'on a des problèmes. Okay? Et il est assez fréquent ce piège-là. Okay? Et moi-même, je me suis affairé beaucoup à vendre l'agile, davantage que d'essayer de comprendre c'est quoi les problèmes qu'on essaie de régler avec ça. Comme je vous le dis, pour X raisons, on est encore dans ce piège-là. Pensez que c'est un truc de mécanique de projet, puis ça va peut-être changer un peu comment on fait de la réduction. Critères de succès majeurs. Okay? C'est sûr qu'on parle de changement, de plus que les impacts sont gros, bien, plus qu'il faut être attaché avec la direction. Ça, c'est indéniable. Okay? Vous avez besoin de votre support tantôt, parce qu'il y a des gens qui vont visiter, vous avez besoin à un moment donné de paire de bras de gestionnaire pour dénouer certains enjeux. Ça, c'est clair. Ça aussi, on le répète sur plusieurs tribunes, de plusieurs façons. Donc, d'espérer que tout d'un coup, tous nos problèmes vont disparaître, eh bien non. Mais ça, c'est cette idée-là que, ben maintenant qu'on fait de l'agile, probablement que ce qu'on faisait avant, c'était pas bon. On avait des techniques avant de travail, on avait de la façon de gérer les projets, on avait de la documentation, des façons de modéliser, Il doit y avoir encore des affaires de bon là-dedans. OK? Fait que c'est aussi dans l'analyse d'impact, quand vous préparez à démarrer des projets agiles, essayez de voir ce qui ferait du sens de garder là-dedans. OK? Je l'ai mentionné. Puis là, encore là, la limite est mince, elle est dure à trouver, dans le sens qu'on en veut des bonnes pratiques, mais je veux laisser de l'espace à l'équipe pour innover, pour continuer, pour s'améliorer. Parce que aussitôt qu'on stagne dans un processus standardisé, on vient de mettre frein à notre amélioration. Ne perdez pas ça de tête. Okay? Si c'est possible de rouler vos pilotes sur un projet qu'on peut se permettre, il y a un certain nombre de JP dans le budget qui est prévu pour que l'équipe apprenne. Fantastique. Okay? Ça, c'est comme.
j'avais lu ça, puis ça m'avait tellement détendu quand que j'avais lu une phrase qui disait « Espère pas qu'un jour tu auras fini de rénover ta maison. » Okay. Si tu penses qu'un jour tu vas avoir descendu toute la liste de... Okay. Fait que c'est un peu ça. On ne devrait pas arrêter de s'améliorer. En fait, c'est là que ça devient plus juste une gestion de changement pour une période de temps X. C'est qu'on devient une organisation qui vit le changement. C'est juste normal, c'est nécessaire. À la vitesse que les choses vont aujourd'hui, à la vitesse des innovations technologiques, il faut être dans ce mood-là où ben, on se donne le droit, projet après projet, de toujours être un peu plus meilleur. Okay. Je parlais beaucoup de mécanique. Je voudrais juste finir en revenant sur l'aspect plus philosophique de l'agilité, l'aspect plus approche au travail. Okay. C'est sûr que tout ça, à quelque part, si on ne commence pas à changer notre façon de penser le travail, ben on va se mettre juste à faire des daily scrums où on se dit ben, hier, je suis à la tâche A, demain, je suis à la tâche A, puis je n'ai pas de problème. Okay. Question?